Gendarmerie nationale, où est votre vignette critère? Comment ça, elle est comment? Bah, c'est une vignette avec un numéro dessus, 1, 2, 3, 4 ou 5. Non, ça c'est l'assurance, ça, et le contrôle technique. Allez, on vous aide un peu. La vignette critère, c'est un petit rond coloré. Son objectif, identifier les véhicules les plus polluants et permettre la mise en place de la circulation différenciée. Depuis ce matin, les gendarmes scrutent les pare-brise autour de Strasbourg. Les gens ont bien conscience des impacts environnementaux. Par contre, on a effectivement une proportion, comme vous pouvez le voir sur le rond-point derrière moi, de gens qui n'ont pas encore à poser de vignette critère sur leur véhicule, qui est assez importante. Alors pour des motifs différents, hein, soit des gens qui ne connaissent pas le dispositif, soit des gens qui ont changé de véhicule dernièrement et qui n'ont pas encore à poser la vignette. Seuls les véhicules qui disposent des vignettes 0, 1, 2 ou 3 peuvent prendre la route dans l'Eurométropole strasbourgeoise. Les autres, plus nocifs pour l'environnement, doivent rester au garage. L'enjeu, réduire la pollution à l'ozone. En période de forte chaleur, ce gaz irritant pour les poumons se fait plus présent dans l'atmosphère. Une règle pourtant pas toujours facile à comprendre pour les automobilistes. Au niveau pour la pollution, oui, c'est bien, oui, mais bon, voilà, c'est quand même assez contraignant. Il faudrait punir les constructeurs de véhicules parce que c'est eux qui produisent les véhicules qui polluent. C'est pas nous qui choisissons ce qui doit être produit. Je me penche pas trop sur l'écologie, je suis pas trop. Malheureusement, je me sens pas trop concerné. Alors, pour convaincre, le maître mot, c'est la pédagogie. Aucun automobiliste n'a été verbalisé aujourd'hui, aucun ne le sera demain. Si le dispositif s'étend ce week-end, les conducteurs fautifs s'exposeraient alors à des amendes de 68 euros pour un véhicule léger et de 130 euros pour un poids lourd. Ces deux jours de contrôle vont être importants pour la prise de conscience des automobilistes et qu'ils participent aussi à cette fabrication de l'ozone dans l'air. L'intérêt aussi de la pédagogie, c'est de leur faire prendre conscience qu'ils ont peut-être d'autres modes alternatifs pour circuler pendant ces zones de pollution. Peut-être éviter de prendre sa voiture si on peut, ou de la déposer et prendre un transport en commun ou même le vélo. Parmi les alternatives, le tram. Pendant toute la durée du pic de pollution, un ticket spécial donne accès au réseau CTS toute la journée pour 1,80€ contre 4,50€ en temps normal.